Eh bien, si vous suivez la série Le chemin de Jésus par ordre chronologique, vous allez trouver que ce message a été un peu décalé. En effet, c'est un message que j'ai prêché il y a 5 ans, mais comme on oublie les choses, et comme également les circonstances de ce Noël 2021 se prêtaient bien, j'ai trouvé, et comme en plus le message original avait mal été enregistré, j'ai trouvé que c'était un bon temps de le refaire. Et en plus, alors que je retravaillais ce message, je me suis rendu compte qu'il cadrait très bien avec l'autre série de Noël qu'on est en train de faire, et il va apporter des réflexions supplémentaires. Et donc, c'est bien sûr dans la série Le chemin de Jésus, c'était le message numéro 5, et j'ai appelé ça la joie de Noël, et donc j'aimerais vous parler de ça aujourd'hui, parce qu'aux dernières nouvelles, les circonstances ne nous poussent pas trop à avoir un joyeux Noël, et pourtant, comme je dis souvent aux gens, peut-être que humainement, nous ne pouvons pas avoir un joyeux Noël, mais certainement, en Jésus, nous pouvons avoir un joyeux Noël. Alors, je vais faire ma petite introduction, mais je pense que vous savez un peu où je m'en vais avec ça. Noël est supposé d'être une période de joie. En général, c'est une période de l'année qu'on attend avec impatience. Et puis, quand on est tout petit, évidemment, ça commence avec les cadeaux et les décorations, etc. Mais même lorsqu'on vieillit, on a toujours un petit peu cette anticipation de Noël. Il y a des chansons qui parlent de joie, il y a les chrétiens qui d'habitude se réunissent en église et qui sont peut-être dans cette période plus joyeux que d'habitude. Nous verrons les raisons pourquoi dans quelques instants. Mais il faut avouer que chaque année, et cette année en particulier, beaucoup de choses conspirent pour nous enlever la joie que nous devrions avoir à Noël. D'abord, il y a habituellement la fatigue, et le stress, et la course aux cadeaux, et puis il y a les dettes, et puis depuis les 2 dernières années, évidemment, il y a les privations que nous nous sommes imposées à cause de la COVID. Et puis, beaucoup de ce que nous voyons et de ce que nous entendons, lorsque, par exemple, nous regardons les films à la télévision, c'est toujours des films pour nous faire sentir bien, et puis à la radio, nous entendons la musique, c'est toujours cette musique qui a une tonalité de Noël un petit peu spéciale. Mais on se rend compte, en observant tout ça, que beaucoup tourne autour de l'économie pour nous dépenser de l'argent, pour nous participer à des événements, que c'est une joie, en fait, c'est un bonheur superficiel. Ce qui nous intéresse souvent, si on regarde ce qu'on voit dans nos magazines et dans nos publicités, ce sont les parties de Noël, ce sont les cadeaux, ce sont les voyages qu'on peut faire dans le temps des fêtes, ce sont les émissions populaires qu'on regarde chaque année, qui sont là pour nous distraire, ce sont le nombre de likes que nous avons sur Facebook, ou ce sont peut-être les belles photos sur Instagram, mais évidemment, avec avec ce qui arrive avec les médias sociaux, nous passons tellement de temps que nous pouvons gaspiller plusieurs heures à rechercher ce genre de joie superficielle que le monde essaye de nous donner, et pas toujours pour les bonnes raisons. Et puis, il faut être honnête, ce n'est pas parce que c'est Noël que automatiquement nos circonstances et nos souffrances disparaissent. Vous savez, certains vivent le deuil, certains même présentement. Certains vivent la perte d'un emploi, c'est encore plus vrai aujourd'hui avec la COVID et toutes les places qui ferment. Certains perdent un enfant qui décide qu'il quitte la maison en coup de vent et qui ne veut plus rien savoir des parents, ou qui ne vient pas fêter à Noël parce qu'il préfère être avec ses chums. Certains vont affronter des maladies, certains vont affronter des problèmes de loyer, certains patrons vont affronter la perte de leur commerce ou la fermeture de leur commerce. On a parfois des collègues difficiles, c'est un peu moins vrai en temps de COVID, mais pareil, nous avons une certaine pression qui vient avec le fait de travailler à la maison. Certains d'entre nous auront des accidents d'auto, d'autres auront des mauvaises nouvelles personnelles. Et puis, si nous regardons la télévision, eh bien, les médias ne changent pas parce que c'est Noël. On nous bombarde de tout ce qui va mal partout dans le monde. Hein, le monde n'arrête pas de tourner pendant les 2 semaines de congé de Noël, et notre vie n'arrête pas non plus. Et donc, toutes ces choses peuvent contribuer grandement à diminuer notre joie.
Et lorsque je réfléchissais à ça, je me suis rendu compte qu'une partie du problème, et j'en parlerai plus longuement dans un message dédié complètement au bonheur et à la joie, mais je voulais quand même vous donner ce petit aperçu pour aujourd'hui. Une des raisons, c'est que nous avons fait un faux lien entre joie et bonheur. Nous pensons que joie et bonheur signifient la même chose. Ce qui fait que nous concluons que notre joie dépend des circonstances. Et lorsqu'on regarde aux circonstances de ce Noël ou aux circonstances que je viens de vous énumérer, eh bien, on peut conclure que ce n'est pas là qu'on trouvera le bonheur. Et donc, nous concluons automatiquement que si nous n'y trouvons pas le bonheur, nous ne pouvons pas non plus être joyeux. Et là, en fait, la meilleure façon de ne pas trouver la joie à Noël, c'est de se laisser emporter par la tourmente de Noël ou par les circonstances. Et pourtant, la Bible nous dit d'être joyeux en tout temps, comme un ordre, comme un commandement. Alors, elle ne nous dit pas de ressentir de la joie, mais elle nous dit de le faire. Philippiens 4, verset 4, un des versets connus sur le sujet, nous dit ceci. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours. » Alors, comment on fait pour commander une émotion, parce que nous pensons que la joie est une émotion, comment on fait pour commander une émotion quand les circonstances nous empêchent de ressentir cette émotion positive? Eh bien, la première piste de réflexion vient du fait que lorsque nous regardons dans la Bible, nous découvrons que la joie n'est pas une émotion, mais que la joie est un fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22, ça nous dit que un des fruits que produit l'esprit dans notre vie, c'est la joie. En d'autres mots, la joie est une qualité qui découle de notre relation spirituelle avec Dieu plutôt que de nos circonstances. Et c'est sur ce terrain que j'aimerais amener notre réflexion de Noël. Au contraire du bonheur qui est basé sur les circonstances et sur les événements, et qui évidemment est volatile puisque nous l'avons vécu tout récemment, en l'espace d'une semaine, nous avons eu 3 conférences de presse qui nous ont annoncé que tous les plans que nous avions faits pour Noël sont à peu près gâchés. Et donc, comme les circonstances changent, et en passant, je comprends tout à fait et je suis tout à fait d'accord avec les mesures que l'on prend, ce n'est pas une critique de notre gouvernement, mais il faut reconnaître que beaucoup d'entre nous ont encaissé le choc avec une grande déception. Lorsque les circonstances comme ça, et les annonces, et les conditions de vie changent, eh bien, si nous équivalons joie avec les circonstances, alors évidemment notre sentiment n'est pas positif. Mais au contraire d'un bonheur qui est basé sur les événements, lorsque notre joie est basée sur notre relation avec Christ, alors notre joie ne devrait pas changer. La joie est un sentiment que l'on doit apprendre à cultiver et à développer. Et je pense que le récit de Noël nous donne 4 bonnes raisons, probablement plus, mais 4 que j'ai relevées, qui devraient nous encourager à vivre la joie dans ce temps de Noël. Nous lisons l'histoire de la naissance de Jésus et nous découvrons dans cette histoire que la Bible nous donne d'autres raisons d'être joyeux que celle que la société moderne nous propose. Alors, lisons ce récit que nous trouvons dans Luc chapitre 2, versets 8 à 11. Il y avait, dans la même région, donc à Bethléem, des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Eh bien, la première raison que nous avons de nous réjouir, et nous en avons parlé récemment dans un autre message sur Noël, c'est la joie d'une prophétie accomplie. Je vous explique. La cité de David n'est pas, il vous est né dans la cité de David, dans la ville de David. La cité de David n'est pas Jérusalem, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais un petit village qui se trouve à peut-être une quinzaine de kilomètres de là, qui s'appelle Bethléem.
Aujourd'hui, c'est une ville touristique relativement occupée parce que des chrétiens du monde entier et de différentes traditions chrétiennes vont là pour visiter l'endroit où est né Jésus. Mais au temps de David, c'était un village et jusqu'au siècle passé, quasiment, c'était encore un village. C'est là que David avait passé son enfance. C'est là que David, tout comme ses bergers à Bethléem ce soir de Noël, il y a 2000 ans, c'est là que David avait élevé les moutons, c'est là que David avait eu son premier travail, et c'est là que les anges sont apparus à d'autres bergers, environ 1000 ans après la naissance de David, et c'est là que Bethléem est venue importante, mais elle n'est pas devenue importante parce que David y était né, mais elle est devenue importante parce que le prophète Michée, 700 ans avant la naissance de Jésus, avait prédit que Jésus naîtrait à Bethléem. Dans Michée 5, au verset 2, nous lisons « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, » donc le prophète reconnaît à son époque que c'est encore un petit village, « De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et écoutez bien, et c'est là qu'on voit que ça identifie Jésus, et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » Les anges disent aux bergers qui sont à Bethléem qu'ils ont maintenant une grande raison de se réjouir parce que la prophétie que Michée avait annoncée s'est accomplie. Cette nouvelle qu'ils annoncent aux bergers est le sujet d'une grande joie. En effet, pour ceux qui attendaient le Messie déjà depuis plusieurs centaines d'années, pour ceux qui espéraient Dieu, quelle bonne nouvelle! Le Messie tant attendu est finalement arrivé. Mais la raison que je vous disais tantôt que la joie est un sentiment qui doit être cultivé, nous la trouvons dans l'attitude des bergers. Lorsque les bergers entendent cette nouvelle et qu'ils décident d'aller voir et qu'ils décident de vérifier ce qui leur a été raconté, eh bien, ils découvrent que l'ange leur a dit la vérité et ça devient pour eux le sujet d'une grande joie. Mais à la même époque, et j'en parlerai dans quelques jours, il y a d'autres Juifs à Bethléem, à Jérusalem, dans les environs, qui connaissent aussi cette prophétie et qui pourtant ne se sont même pas donné la peine d'aller voir. Même prophétie, même événement, mais deux réactions différentes. L'indifférence ou la joie de la prophétie accomplie. La deuxième chose que j'ai relevée dans le récit, c'est que c'est la joie, non seulement d'une prophétie, mais la joie d'une naissance. La joie de la naissance de Jésus. On lit tellement souvent ce texte, et on le connaît par cœur, qu'on oublie de bien réfléchir aux paroles de l'ange. Le message des anges, c'est que le Sauveur est né, que Dieu s'est finalement approché des êtres humains de la façon la plus proche qu'il pouvait, c'est-à-dire en devenant l'un d'eux, en devenant un bébé. Oui, Marie qui était vierge est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, mais ensuite la naissance de Jésus a été comme celle de tout bébé. Et puis, la vie de Jésus a été comme celle de tous les êtres humains. Les apôtres illustreront de façon diverse tout au long des évangiles que Dieu est véritablement devenu un homme. Et la vérité qui est soulignée, c'est qu'il est véritablement né, et il est véritablement né exactement comme nous. Et s'il est véritablement né et qu'il a vécu comme un homme, alors il peut nous comprendre. C'est ce que Paul dira dans une de ses épîtres. Il a vécu les mêmes choses que nous et donc il est rempli de compassion. Il peut comprendre comment nous sommes faibles. Parmi tous les grands fondateurs de toutes les grandes religions, et vous pouvez les passer en revue, c'est un événement unique. Aucun n'a prétendu être le Fils de Dieu et aucun n'a pu prouver qu'il était le Fils de Dieu autre que Jésus par ses miracles, entre autres. Il y a là, à la naissance de Jésus, une grande raison de se réjouir. Mais une fois encore, il y a des gens, en ce Noël, comme Noël il y a 2000 ans, qui n'y verront pas une cause de grande joie, parce qu'ils ne comprennent pas ce que signifie la venue de Jésus, ils sont trop occupés par d'autres choses. Et puis, il y a ceux qui comprennent que la naissance de Jésus, c'est le Créateur de l'univers qui s'est identifié avec nous, et pour eux, c'est le sujet d'une grande joie.
Vous vous rappelez ce que Paul dit d'une autre façon dans Philippiens 2, verset 7. Il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire il a renoncé à sa forme divine, hein, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Voilà une grande raison de se réjouir, parce que si Jésus était resté dans le ciel, alors nous ne serions pas sauvés. La troisième chose, évidemment, qui découle de ça, c'est que si Jésus est venu sur la terre, nous pouvons nous réjouir non seulement de la prophétie qui s'est accomplie, nous pouvons nous réjouir de la naissance de Jésus, mais la naissance de Jésus signifie le salut, comme nous avons dit. Et donc, nous pouvons maintenant nous réjouir d'une troisième chose, c'est la joie du salut. L'ange appelle Jésus selon ses termes, Sauveur, Messie et Seigneur. Alors, sauveur, c'est le mot de l'Ancien Testament qui signifie celui qui délivre. Messie, c'est celui qui est choisi par Dieu. Et on sait que c'était un Messie particulier. C'est le serviteur, comme il nous est présenté dans le prophète Ésaïe. Et puis, Seigneur, eh bien, c'est le terme de la divinité. Hein, c'est-à-dire que Jésus, dans ce mot-là, est appelé du même nom qu'on appelle Dieu dans l'Ancien Testament. La véritable raison de se réjouir, c'est que celui qui est né est plus qu'un bébé humain. Oui, il est humain et il peut nous comprendre, mais il est plus que cela. Il est celui dont les êtres humains ont besoin, celui dont l'humanité a besoin pour être sauvée de ses péchés. Nous l'avons dit dans un message précédent, dans Matthieu 1, 21, un ange dit à Joseph d'appeler ce bébé Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Franchement, il suffit de regarder autour de nous, de refaire la liste des circonstances que je vous ai mentionnées en introduction pour voir que notre monde a sérieusement besoin d'un sauveur. Mais honnêtement, il suffit aussi de regarder à l'intérieur de nous et voir ce que nous affrontons comme difficultés, comme tentations et toutes ces choses-là pour voir que nous aussi, nous avons besoin d'un sauveur. Ce n'est pas simplement le monde qui a besoin d'un sauveur, mais nous, personnellement. Et quelle joie de savoir, lorsque nous lisons les évangiles, que nous n'avons plus besoin d'essayer de nous sauver nous-mêmes par toutes sortes de pratiques religieuses, par nos bonnes œuvres, par nos efforts, etc. Parce que lorsque Jésus est né, Noël n'était qu'une étape d'une vie qui allait le conduire sur la croix, où il est mort, pour gagner le pardon de nos péchés et la réconciliation de notre relation avec Dieu, pour gagner notre éternité dans sa présence, dans la présence de Dieu. Et cela, il l'a gagné au prix de son innocence, au prix de grands sacrifices, comme nous dit Philippiens chapitre 2, puisqu'il a renoncé à tout ce qu'il avait au ciel pour devenir comme nous, pour vivre comme nous, pour mourir pour nous, afin que nous puissions vivre comme lui et vivre pour lui et vivre avec lui. En d'autres mots, quand Dieu a voulu sauver le monde, il a envoyé ce qu'il avait de meilleur, son Fils bien-aimé. Paul le dira dans Romains 8, 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Alors, chers frères et sœurs, chers amis, ça c'est une raison d'être rempli d'une grande joie. Et puis, si nous avons la joie que Dieu a accompli ses prophéties, si nous avons la joie que Jésus est né en tant qu'homme, si nous avons la joie du salut, puisque cet homme était également le Fils de Dieu et est mort et ressuscité pour nous gagner notre salut, eh bien, nous avons aussi l'occasion de nous réjouir du but de sa venue. Il y a une dernière raison pour laquelle ce texte nous dit que ce que les anges annoncent est une bonne nouvelle et est le sujet d'une grande joie. Écoutez bien ce que l'ange dit. Il vous est né. Drôle d'expression, parce qu'en fait, le bébé n'est pas né au berger, le bébé est né à Marie. Et dans Ésaïe, ça dit, il nous est né un sauveur, un fils nous est donné. Et donc, l'expression peut paraître un petit peu maladroite ou peut paraître anodine, mais en fait, elle signifie exactement ce qu'elle signifie.
Quand l'ange parle au berger, ce qu'il est en train de dire, c'est que celui qui est né pour eux, est né pour nous. Lorsque Jésus est arrivé, sa naissance n'est pas passée inaperçue. Les premiers qui ont reçu cette bonne nouvelle étaient des bergers qui travaillaient dans les champs à Bethléem, un des groupes les plus bas dans l'échelle sociale. Et on pourrait dire, ah oui, ils ont eu de la chance, hein, Dieu a choisi les pauvres dans la société. Mais pourtant, qu'en est-il des théologiens, des spécialistes, des riches, des aristocrates, de tous ces gens qui vivaient à Jérusalem, pas tellement loin? Eh bien, Jésus est venu pour eux aussi. Rappelez-vous que les mages sont venus. Ils ont annoncé qu'ils cherchaient le roi qui avait été prophétisé. Ils ont annoncé qu'ils ont vu son étoile. Ils ont toutes les raisons pour que les gens qui les écoutent se disent « Hein, on va aller voir ». Et pourtant, nous savons que les gens qui ont aussi reçu cette nouvelle décident que ce n'est pas pour eux. Et donc, le malheur, c'est que Jésus vient pour tous. Mais un nombre de gens dans notre société, et parfois ce sont ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin parce que leur vie va bien, eh bien un certain nombre de gens de notre société ne peuvent pas profiter de cette véritable joie de Noël parce qu'ils ne se sont pas aperçus que Jésus était venu également pour eux. Mais Jésus n'est pas venu simplement pour les bergers. Jésus n'est pas venu non plus pour ceux qui l'ont refusé à Jérusalem. Et ça m'amène à la conclusion, c'est que Jésus est également venu pour vous, pour moi, pour nous. Tout ce message de Noël se trouve résumé dans le passage que j'ai utilisé pour illustrer le dia de Noël. Vous remarquerez, Galates 4, verset 4. Mais lorsque le moment est venu, lorsque le moment est vraiment venu, ça nous parle de la joie de la prophétie, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, ça c'est la joie de la naissance, né sous la loi ou sous le régime de la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, ça c'est la joie du salut, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif, ça c'est le but. Et donc vous voyez dans ce verset, on retrouve tout le message des anges, tous les messages de Luc, tout le message de la bonne nouvelle qui a été annoncée. Jésus n'est pas une partie de l'histoire de Noël. C'est Noël qui est une partie de l'histoire de Jésus. Cette histoire, c'est qu'il est né, c'est qu'il est venu pour nous, c'est qu'il est venu pour moi, c'est qu'il est venu pour vous. Alors que nous célébrons Noël, il est bon de se rappeler que nous ne célébrons pas notre économie. Nous ne célébrons pas notre liberté, nous ne célébrons pas la grandeur de notre pays, ce n'est pas notre culture que nous célébrons, ce n'est pas non plus même la générosité ou les cadeaux, ce n'est pas la tradition, ce n'est même pas la famille que nous célébrons. Jésus n'est pas un ajout que l'on fait à une fête qui existe déjà. Jésus n'est pas une partie de notre vie. Jésus n'est pas une distraction de nos circonstances qui ne vont pas tellement bien en ce Noël. Il est la raison essentielle pour laquelle nous fêtons Noël. Il est la raison pour laquelle Noël existe. Et donc, il est le héros de cette histoire. Une histoire à laquelle nous, aujourd'hui, tout comme les bergers et tout comme les gens à Jérusalem, sommes invités de faire partie. Nous sommes invités à faire partie de cette histoire et de la célébrer dans la joie. Ce n'est pas suffisant de croire que Jésus est né il y a 2000 ans. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de croire qu'il est né pour vous, de croire qu'il est né pour nous, de croire qu'il est né pour moi. C'est seulement à ce moment-là que nous devenons une partie de son histoire. C'est seulement à ce moment-là que la véritable joie de Noël devient une réalité pour nous. Puissent ces paroles être vraies en ce Noël un peu spécial 2021 que nous allons vivre. Je vous invite à prier. Il est vrai, Seigneur, que lorsque nous regardons aux circonstances, il n'y a pas grand-chose qui nous permet de nous réjouir en ce Noël. Et pourtant, lorsque nous regardons à ta parole, lorsque nous regardons à ce que tu signifies pour nous, à ce que tu signifies pour l'humanité qui parfois ne veut pas t'entendre et pourtant le message est encore là aujourd'hui, le message de la bonne nouvelle.
lorsque nous regardons à l'annonce des anges, lorsque nous regardons à pourquoi tu es venu et que nous comprenons que tu es venu pour nous, il y a là la source d'une grande joie, il y a là une grande bonne nouvelle. Que nous puissions garder les yeux fixés sur toi, justement alors que le monde nous prive de beaucoup de ces choses que nous avons l'habitude de profiter d'habitude et qui nous distraient parfois du véritable message de Noël. Qu'en ce Noël 2021, nous puissions avoir les yeux fixés sur toi et nous rappeler que nous avons à l'intérieur de nous la source d'une grande joie. Merci Jésus, parce que tu es venu pour nous et que tu reviendras pour nous. Amen.